Bonjour les petits loups, on va faire un tiramisu rapide. Pour ça, on va prendre des œufs. On prend deux, trois, pardon. Oh, c'est quoi ça? Deuxième et un troisième. Et je vais prendre, il est où mon sucre? J'avais préparé du sucre. 130 grammes de sucre. Voilà. 130 grammes et 2 œufs. Si vous avez des gros œufs, vous en mettez 3 œufs. Vous en mettez 2. Hein. Voilà. Et là, on va bien battre le jaune d'œuf. Jusqu'à blanchissement. Ça va doubler de volume. Il faut que ça double de volume. Hein. C'est pour ça, il ne faut pas le faire à la main. Vous faites avec ça. Au moins pendant 3 minutes. Hein. Vraiment 3 minutes. Hein. Bon, je vais pas rester comme ça au bout de 3 minutes. Hein. Je reviens dans 3 minutes. On se dit à tout à l'heure. 3 minutes après, vous voyez, ça a doublé de volume. C'est devenu tout blanc. Blanc de chez Blanc, de chez Blanco. On va mettre 500 g de mascarpone. Moi, j'ai la mascarpone comme ça que j'ai acheté à Leclerc. Et celle-là, je ne sais plus où je l'avais acheté. C'est les mêmes. Hein. C'est juste la... Ah, j'avais acheté à la ferme de Spire, Argenteuil. Je mets 500 g. Ou sinon, vous achetez un gros paquet de 500 g. Ah, parce que moi, c'est bon. Je m'en souviens. J'avais acheté celle-là. Et comme je savais que j'allais faire un tiramisu, tout à l'heure, j'en ai acheté un deuxième. Bon, ça bouge pas, ça. Aïe, aïe. Montre-tout, hein. Montre-tout. Moi, je ne coupe pas. Je ne fais pas de coupure. Je montre tout, je ne trafique pas. Ah, je mets vraiment tout là. Oh. Je dirais que je fais la guerre avec... Voilà, je vais mélanger ça. Je mets les mains. J'arrive. Allez, go. Maintenant, je fais comme ça. Et je mélange la mascarpone avec mon œuf et compagnie. Voilà. Voilà, voilà. Voilà ma crème. Je vais mettre ça au frais. Je prépare mes gâteaux et tout. C'est pour ça que mes œufs étaient assez gros. Mettez que deux. Les miens étaient assez gros. J'aurais dû en mettre que deux. Mais ça va. Ça va. Donc voilà, je vais mettre ça au frais en attendant que... Moi, je vais faire au spéculoos. Hein. Soit fait au boudoir ou soit au spéculoos. Moi, j'ai les deux, mais j'ai décidé de faire du spéculoos aujourd'hui. Donc, moi, j'ai acheté ça, spéculoos. Hein. Voilà, c'est cela. On va les casser. Soit vous les mixez, mais moi je vais les casser comme ça. Je ne vais pas tous les casser pour la quantité, je vais voir au fur et à mesure.
sert à rien de tout casser. Voilà. On écrase bien. Même pas. Je vais tapoter. Voilà, je casse. Voilà, hein. Il n'y a pas de travail, mais il faut bien le faire. Hein. Vous mixez, hein, vous ne prenez pas la tête à mixer. Hein. Quelle idée, j'aurais dû mixer dès le départ. Casser non plus, hein. On va laisser des petits morceaux comme ça, on les a dans la bouche, des petits morceaux crocs. Allez, go, fini. Ok, là je vous en montre un comme exemple. Voilà, je vais mettre ici. Faut pas trop non plus trop en mettre, faut pas qu'il y ait que du spéculoos, hein, parce qu'après faut pas une grande épaisseur, parce qu'après j'avais l'impression de manger que du spéculoos, c'est pas la peine. Vous voyez, voilà, comme ça vous allez chercher ma crème. Par contre faut pas manger ça tout de suite, hein. Moi je vais faire ça là pour la veille, moi je fais ça et c'est demain matin, garder ma crème parce que là c'est trop liquide, là. Moi, je trouve qu'elle est trop liquide, là, quand même. Voilà, on va remplir. Voilà. Là, on va mettre du spéculoos par-dessus. Pareil, hein, pas une tonne. Hein. Juste le temps de couvrir, quoi, c'est tout. Voilà. Ensuite, pareil, je remets de la crème par-dessus. Là, je vous en montre un. Quand on va. Ça, on pourra le manger demain matin, demain midi, quoi. Et la crème, elle va durcir. Hein. Là, je vais juste enlever ici là parce que ça fait sale. Ensuite, je me lave les mains et je reviens vers vous. Ok, donc là, je mets encore quelques graines. Voilà. Vous pouvez mettre en morceaux, hein, c'est pour ça. Vous laissez les petits morceaux comme ça. On enveloppe. Tous les faire et à la fin je mettrai, bon, remarque, quand ça durcit je prends mettre un direct, hein. Je prends un spéculoos comme ça et je fais trempette. Ouh, voilà, je fais trempette comme ça. Donc attendez, je vois rien du... Ah, on voit mieux là, ouais. Donc voilà ce que ça donne, mais bien sûr il faut le laisser refroidir. Mon spéculoos il est là, je sais pas si vous voyez. Voilà, il est là. Ouais, les petits loups, je vais mettre ça à refroidir. Je fais des gros bisous, je dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes petits loups, bye bye.